Bonjour à toutes et à tous, c'est Alaric, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Spec Ops The Line. Tiens, je découvre un truc là, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que je fais avec mon arme. J'ai une balle d'un truc qui a l'air très puissant, je vais tenter. Ah d'accord. Ah effectivement, c'est assez puissant, mais je savais pas que j'avais ça de cette arme. Alors je reprends, quelques semaines après avoir tourné la dernière session. D'ailleurs je pense que je vais couper un peu parce que j'ai essayé plusieurs fois cette séquence. Merde. Cette séquence est très difficile je trouve. J'arrêtais pas de crever. Il y a énormément d'ennemis qui arrivent les uns après les autres. Ouais, merde. Putain, il va falloir se concentrer au maximum pour la passer. Et où il va lui? Le mec il va 36 000 km. Ah ils sont horribles. Ok, il est où l'autre? Oh là là, on se fait toucher dans tous les sens. Merde, il y a le feu là. Je comprends pas cette cible. Pourquoi ils me disent qu'il faut que j'aille juste... Pourquoi il faut que j'aille juste à 11 mètres? Ça ne sert à rien. Je vais me caler ici. Est-ce que j'ai pas d'autres armes? J'ai ça aussi. J'ai des rigoles. Peu de munitions, beaucoup d'ennemis. Voilà, merde. Concentré. Ce sont vraiment des acharnés. Regardez la gueule du héros. Walker, là, il commence vraiment à faire la gueule. Hein. Attends. Ils sont 36 000. Je sais même pas où t'es, Adam, ça. Plus haut. Voilà. Ils arrêtent pas de bouger, c'est horrible. Purée. Putain, il va là-bas ce con là. Voilà. Je crois que c'est pour ça que je galérais. Ils sont en train de contourner la zone. Et j'arrive pas à les anticiper. Il y en a un autre qui passe là-bas. Je vais attendre là. Ah, s'il arrive à passer du moins. J'ai pas eu l'impression. Merde, un soldat lourd, c'est horrible ceux-là. Il est où? Oh putain! Mais non, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Putain! Mais c'est horrible! Mais c'est... Oh là là, il est là, l'autre. Oh là, mais c'est super chaud, putain! L'autre qui m'a pris en traître juste derrière moi. Bon, je pense qu'une fois que le soldat lourd sera vaincu, on devrait pouvoir avancer un peu. Putain, mais c'est horrible. Non mais sans déconner, qu'est-ce que c'est que ce passage moisi là? Mais c'est abusé ce truc. Ah, je crois que je l'avais eu. Non. Ah d'accord. Je me suis trompé de bouton. Au lieu de viser, je me suis mis debout. Erreur fatale. Quel passage de merde. Je suis bloqué après contrôle lui là. Putain. Ça commence à me saouler. Qu'est-ce que c'est que ce passage, putain? Possible! Qu'est-ce qu'il fait lui? On me regarde même pas. Putain! C'est n'importe quoi cette difficulté! Eh, grenade, allez! Mais mets-toi à l'abri! Ça me lourdait là. Ça fait un de plus. Putain. Couvre-moi, Adams. Ok, je vais descendre.
Mais putain, mais les gars, il reste debout, elle est magnifique. Voilà, je suis pas dessus. Ah mon dieu. Zeus, fils de pute. Qu'est-ce que tu fais là toi? On va y voir le soldat lourd déjà. Ah putain, ça y est, ils arrivent. Putain, le problème c'est qu'il faut que j'ai les deux acolytes relous là. Attends, je vais prendre un peu de distance. Putain. Merde, il est où l'autre? Fait chier. Bordel de merde. Je dois recharger. Bordel de merde. Je dois recharger. Prends-toi ça, enculé. Je l'ai eu cet enfoiré. Oh, je l'ai eu. Pour le moment, il faut qu'on bouge. Tu peux marcher? Oh. OK, il faut retrouver Lugo. Ensuite, on s'occupe de Conrad. Je pense ça va. Pour sauver ces gens, je ne laisserai pas Conrad nous gêner. Ouais, c'est vrai que jusqu'ici, ça a bien marché. Je ne demandais pas ton avis, lieutenant. Je n'ai même pas utilisé la petite grenade ici. Eh ben, dis donc, putain. Mais là, ça fait une demi-heure que je capture, que je vais essayer de faire ce passage. Et la dernière fois, j'ai dû y rester plus d'un quart d'heure aussi, quoi. J'en peux plus. Oh, laissez-moi respirer un peu, quoi. En plus, c'est magnifique ici. Enfin, magnifique façon de parler, mais en tout cas, les effets lumineux sont hyper bien retranscrits. Bon, en même temps, j'ai pas envie de rester trois plombes dans le coin. Alors, attendez, est-ce qu'il y a des infos à récupérer? Il y en a deux. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, putain, j'ai appuyé sur le machin Xbox. Putain, comment j'enlève cette merde? Voilà, merci. Il y aurait deux infos. Bon, j'ai pas envie forcément de fouiller partout. À mon avis, ils vont foutre les infos dans le passage là-bas. On va accélérer direct. Qu'est-ce qu'il me reste? Le Desert Eagle, que j'ai pas trop utilisé, ainsi que cette arme-ci. Alors heureusement que j'avais les espèces de roquettes là. Putain, je les ai toutes balancées contre le soldat lourd. C'était mon salut. Alors, voyons. Pas d'infos dans les parages. Là, on est vraiment à la fin du jeu. Hein. On va le retrouver, je pense. C'est un début, allons-y. Ah ben là, l'info était quand même bien visible. C'est parti. Oh merde, c'est... Ces gens ont vu la fin du monde. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'espoir. Leurs amis tués, leurs familles massacrées. Ils vivent en enfer. Mais ils prennent le temps de sentir le parfum des roses. Je comprends pourquoi Conrad fait ce qu'il fait. Mais si ces gens parviennent encore à créer et produire de l'art, il y a peut-être encore un espoir. J'ai beaucoup réfléchi à Meurot qui parlait depuis Londres. Il aidait les gens. Il les inspirait. Et les nazis n'y pouvaient rien. Ce camion dehors, il a une vieille Sibi. Si je pouvais trouver des haut-parleurs, ça pourrait marcher. Ouais, ce monsieur radio. Il a été sous la coupe de John Conrad, en fait, ce... Cet enfoiré. L'oiseau blanc. Alors... Oh putain, pas une autre scène de combat, s'il vous plaît. Oh non, s'il vous plaît. Je le sens mal. Oh non. Oh non, au secours, s'il vous plaît. On n'a pas le choix. Oh putain, c'est pas possible, ça s'arrête jamais. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Merde.
Bon, déjà, Adam, ça a l'air un peu plus en état de m'aider. Il y a un connard là-bas. Je suis très très mal placé. Il fallait que je reste derrière mon petit muret, je pense. Je ne sais pas pourquoi je me suis avancé. Mais sérieux, pourquoi vous faites ça? Il y a encore une phase comme ça, putain. C'est pas possible. Alors, deux grenades adhésives, j'ai trop de fragmentation. Un ennemi bouge. Déjà toi. Au revoir. Là, ils sont super loin, je sais pas comment je vais les atteindre. Je sais pas où il y en a qui sont en haut là. Il y en a encore un là. Je crois que je l'ai pas eu en fait. Ah, il y en a qui sont super loin avec leur sniper là. T'as pas vu toi? Bon, par contre les munitions ça commence à manquer là. Attends, ils sont tous là-bas, là il faudrait que j'envoie des grenades. Mais je peux pas envoyer aussi loin. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, attendez, il y a une autre arme. Voilà. Ah attendez, parce que je peux mettre des petites options à chaque fois, mais je sais pas. Ça sert à quoi? Ah, c'est pour le laser. D'accord. Ça peut m'aider à la viser. C'est peut-être moins discret du coup, mais bon. Je sais pas si je peux les atteindre ceux-là. Bon, je pense qu'ils sont trop loin. Je vais essayer de m'approcher dans le prochain muret là. Allez, cours. Voilà. Petite munition. Oh putain, ils sont juste là. Elle est pas mal cette arme, elle est rapide. C'est Adam ça. Ouais, j'aime pas trop cette arme, j'arrive pas trop à viser avec. Hein. Ah, mais c'est mieux sans le truc rouge en fait. Hein. Je vois mieux la cible. C'est ceux qui sont en haut là qui sont chiants. Bon, ça va mieux en fait, c'est pas une phase aussi relou que l'autre. Attendez, est-ce que je peux le viser lui là? Il est chiant. Tiens. C'est quoi cette petite boule là? Je peux pas l'exploser. Ah, il en reste. Je vais rejoindre Adams. Ah ben, il bouge aussi. Il y en a un qui rampe encore là-bas. Je vous. Je regarde le terrain un peu s'il n'y a pas des trucs explosés, mais. Les textures bug un peu là. C'est le flou en fait, regardez le bateau là, il est flou en fait dès que j'essaie de le viser. Il y a les textures qui deviennent plus précises. Encore un fusil à pompe. Je confirme, cible HS. Très bien. Plus beaucoup de munitions. Alors, est-ce que c'est bon là ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas des choses intéressantes? Bof, bof. Ça, c'est un fusil à pompe. Mais what? Mais genre, ils étaient 10 derrière là. Ok. Ah, j'aime bien cette arme. Cette arme est pas mal. Alors. On va s'avancer vers la frégate. Ah, il y avait un petit petite bonbonne de gaz là. Que j'aurais pu péter. Je sais pas pour où il faut rentrer. On va passer par là. Je vois une petite ouverture. Alors, attention quand même. Il doit rester.
Ah, il y en a encore au-dessus. Mais pourquoi tu tires, Adams? Enfin, sur quoi tu tires plutôt? Pourquoi tu vises le mur? Ah, il y en a un en haut là. Bon. On va avancer plutôt, ouais, ce sera plus efficace. Ok. C'est dégagé. Walker, Adams, vous êtes toujours là? On est là, Lugo. Oh putain, merci. Tu es où, là? Je suis planqué dans un yacht à moitié enterré. Celui avec des soldats énervés tout autour. On peut pas le rater. D'accord, surtout reste à l'intérieur. On vient te chercher. Faut y aller, Walker. Patrouille à l'approche. Et voilà! C'est trop tard. Alors, un petit FAMAS. Ah, j'ai trop d'explosifs. Et un petit sniper. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. x16, x8. Se baisser pour stabiliser la visée. Ah, c'est pas mal ça, d'accord. Ah oui, c'est excellent. Je savais pas trop qu'on pouvait se baisser pour... Alors que c'est indiqué sur l'écran, mais bon. Tout va bien. Je vais remettre le FAMAS quand même. Tir auto. On est parti. Allez, on avance. À 2 heures, il tire depuis ce trou. À couvert. Merde, il y a un trou là. Quoi? Oh là là, oh là là, d'accord, ils sont partout, magnifique. Alors là, on a été pris comme des lapins. Bien, un beau traquenard là, magnifique. J'ai pas eu le temps de prendre du recul. Bon, heureusement, on revient juste là. Par contre, est-ce qu'ils m'ont remis les armes que je voulais? Évidemment non, merci beaucoup. Ah putain, ils m'ont pas sauvegardé les armes que j'avais récupérées juste avant. Putain, c'est pas vrai. Bon, en même temps, je sais pas si le sniper m'aurait été très utile. Putain. Mais crève! Regardez-moi ça. Exploser, ouais. Attention. J'arrive plus à viser, hein. C'est pas TTK, hein. Mais pourquoi tu bouges comme ça, toi? Bon, lui, déjà, voilà. On a une bonne vue ici, je pense. Il est mort. Ok. Oh, ça me ralentit. Qui c'est qui reste? Il y a le petit trou là. Regardez-moi ces vicieux. Ces petits vicieux dans le trou. Alors trois rats. Cible en mouvement. Ouais, je vois des trucs. Il y a tout là-bas. T'as bien caché toi. Hein. Et il est où là? Monsieur! Bon, je vais rejoindre mon pote. Ah. Là-bas. J'ai envie de leur lancer une grenade dans leur truc. Adhésive. Ça! Ah, c'était énorme ça! Quelle jouissance! Putain, mais... oui. Il est où Adams là? Je peux pas bouger. Il m'allume. Je l'ai eu ou pas lui? On va dire que oui. Alors on va avancer. Putain, j'ai plus beaucoup de munitions là. J'avais le FAMAS. Ça m'arrange pas. Qu'est-ce que tu peux m'offrir, toi? Ouais, ça l'aide pas mal. Merde, on a un autre sniper! Où ça? Ah oui, effectivement. Ah ouais, mais j'ai pas pu le choper, moi, le sniper, là. Hein.
Je devrais pouvoir le toucher d'ici, je pense, mais... Il va être chiant, je pense. Ah non, ça va. Non, il était tout pourri, en fait. Alors, je parie que l'info est dans le, l'espèce de navire, là. Enfin, je sais pas si on peut y pénétrer. Ah oui, il doit y avoir des choses là-dedans. Ah, mais voilà, je peux passer par là. Attends, tu permets deux secondes, Adams, que je visite un peu. Ah, j'ai trop de grenades. Bon. Let's go, ça c'est Adams. Je vais venir avec toi, parce que là, je vois rien du tout. Deux grenades flash. Je ne vois rien là. Je vois même carrément rien. Ils sont où? Tout là-bas? Putain de merde! Ça fait un de plus! Ça va? Tout va bien? La situation est stabilisée? A-t-on buté les 35 538 soldats du 33e? C'est fini? Non, il y en a encore. Putain. Bon, j'ai envie de lancer un peu des grenades parce que... J'en ai en trop, là. Surtout les fragmentations. Je vois pas très bien où ils sont. Bon, je vais le lancer là-bas. Pas très efficace, hein. Il me reste que le petit piou piou. Un ennemi bouge, fais gaffe. Ça tombe un peu compliqué avec cette arme. Hein. Est-ce que je peux pas choper autre chose? Alors. Ouais, ça me recharge un peu le M4A1. J'étais là. Le 33e est en train de péter un câble. Du calme, Hugo. Est-ce que tu peux te planquer ailleurs? Il y a un camp de réfugiés pas loin. Je vais me cacher là jusqu'à ce que vous ayez fini. Ça marche. On arrive, on arrive. Quand la zone sera dégagée. Reste en vie. Pendant qu'on les bute. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, change d'arme. Ouais, je suis un peu dégoûté. Le FAMAS, il était vraiment... énorme avec le sniper et bon j'aurais dû les... Ah, il y a encore des bonbonnes là, mais je les vois pas, franchement elles sont trop petites, quoi, elles sont trop discrètes dans le décor et je les loupe. Il faut descendre ici. Ouais, bien, descendons. Un piano. Je sais pas s'il va s'en sortir. C'est une fracture. On a déjà connu pire. Tu sais très bien que je parle pas de ça. Si t'as quelque chose à dire, crache-le maintenant, qu'on puisse se remettre au boulot. Cette mission, c'est de la merde. On vient de faire sauter une tour pleine de soldats américains. Ils nous avaient pas laissé le choix. C'est toi qui nous a pas laissé le choix. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Merde. Rien. On est des soldats. Ah, je vois. Autant pour moi. Bon, je me demande comment tout ça va se terminer, hein. Je sais pas du tout quelle fin je vais avoir, d'ailleurs. On rejoint ce yacht. Attendez, il y a des munitions, là. Ils ont envoyé un soldat lourd. Oh, merde. Oh non. Oh, cette esquive. Oh non, pas ça, putain, mais non. Oh non. Oh putain, ces soldats lourds de l'enfer. Je dois avoir cette grenade pour le neutraliser, mais faut que je sois rapide et que je me mette à couvert très rapidement.